bienvenue sur i24 News, c'est l'heure de votre rendez-vous avec le football. Nous allons décrypter tous les résultats avec notre expert Emmanuel Petit. Emmanuel, bonjour. Bonjour à tous. Allez, au programme aujourd'hui, la Liga et la FIFA avec un nouveau candidat pour la succession de Sepp Blatter. Et puis vous, Lise Barenboim. Lise, bonjour. Bonjour, merci d'être avec moi tout au long de cette émission. Vous avez tout lu dans la presse. Évidemment, nous allons faire le tour de la presse avec vous. Restez avec nous, nous n'avons pas une seconde à perdre. Et on va commencer par le football espagnol. Le football espagnol qui, à sa manière, a tenu à rendre hommage aux 17 victimes des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'hypercacher de Vincennes. Une minute de silence a donc été respectée en première et deuxième division. Regardez les résultats du week-end. Deux confrontations entre Madrid et Barcelone ce week-end. Et le Barça qui frappe du poing sur la table en s'imposant 3-1 contre l'Atlético. Le Real Madrid surprend et écrase l'Espagnol 3-0. Valence fait match nul un partout sur le terrain du Celta Vigo. Enfin, Séville s'impose 2-0 à Almeria. Alors Manu Petit, Barça-Atlético, c'était la rencontre choc hein, de ce week-end. On a parlé cette semaine d'un Barça qui était un petit peu en crise. Et malgré cela, les Catalans ont répondu présents et au bon moment. Il fallait, hein, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, au sein même du club, d'un point de vue politique, il y a une rude bataille. On a vu justement la démission du directeur sportif ainsi que de Carlos Puyol. Juste avant les fêtes de Noël, donc, parce qu'ils n'étaient pas d'accord justement avec certaines choses qui se passaient au club. Il y a aussi un conflit qui existe depuis un petit moment entre Luis Enrique, l'entraîneur du FC Barcelone, avec Lionel Messi. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le Barça s'est rassuré face à un prétendant également à la fois au titre, mais également en place de Champions League. Donc c'était très important pour différentes raisons de gagner ce match. Ouais. Bon, il faut dire quand même que le Barça a un trio magique en attaque. Neymar, Messi et Suarez, chacun buteur. Messi qui a été impliqué dans les trois buts de la rencontre, Manu, quand même. Oui. Hein. Les trois buts de la rencontre, c'est-à-dire le Lionel Messi que l'on connaît hein, d'habitude, hein, malgré ses problèmes psychologiques à l'heure actuelle et ses états d'âme, bah, il est toujours aussi performant. Et je suis ravi de constater également que Suarez commence à prendre justement son rythme de croisière entouré de Neymar. Donc ce trio est en train de faire les beaux jours du Barça, mais c'est vrai que ça va être compliqué parce qu'il y a quand même des failles dans la défense et au milieu de terrain. Oui. Alors justement, Lise Barenboim, on a pu découvrir un Messi avec une facette un petit peu différente de ce qu'on connaît. Et oui, c'est le Figaro qui nous dit qu'on le présente souvent comme un personnage un peu lisse et discret, mais en fait il peut avoir un caractère très fort quand le Barça est en crise. Alors il a mis le feu à la presse espagnole cette semaine en rentrant en conflit avec son entraîneur Luis Enrique. Il a refusé de s'entraîner, il aurait même eu des mots grossiers avec le technicien espagnol dans le vestiaire. Donc dans l'éternel feuilleton de la rivalité avec Ronaldo, on lui fait endosser le costume du gentil contre le méchant arrogant. Eh bien c'est peut-être une caricature manichéenne un peu trompeuse. Qu'est-ce que vous en pensez, Manu? Vous pensez que cette face cachée de Messi, finalement, il faut la prendre en considération? Il n'est pas si gentil que ça, le Messi? Valérie, moi, je pense que... mon rôle n'est pas de diaboliser ou de donner un portrait angélique de Lionel Messi, mais quand je voyais à chaque fois l'acharnement des médias par rapport à, on va dire, au côté flambeur, à ce côté fashionable qu'avait en permanence Cristiano Ronaldo, c'est un petit peu ses sauts d'humeur capricieux sur le terrain en permanence, je me disais que quand j'entendais les joueurs qui avaient évolué avec lui et qui étaient complètement à l'opposé de ce que je pouvais voir ou entendre dans la presse, je me disais quelque part, il y a un problème. Et c'était de la même manière avec Lionel Messi. Je ne suis pas là pour dire que Lionel Messi n'est pas l'homme que l'on connaît dans la presse. Je dis simplement, c'est que à un moment donné, quand vous avez des problèmes à répétition avec des joueurs dans votre propre vestiaire, avec aussi l'établissement d'un club, c'est que quelque part aussi, vous devez vous remettre en question et que vous n'êtes pas aussi angélique que ça. Bon, alors en tout cas, Messi sait tenir ses promesses, hein, Lise Barenboim. Oui, il y a un ancien entraîneur adjoint de Barcelone qui affirme que Lionel Messi reste au Barça uniquement pour honorer une promesse qu'il aurait faite à son ancien entraîneur Tito Villanova, qui est décédé d'un cancer l'an dernier. Alors Villanova, il a été adjoint de Pep Guardiola en 2012, ensuite il a entraîné le club catalan en 2012-2013 avant de démissionner. Et en ce moment, effectivement, les rumeurs de départ de Messi vont bon train. C'est peut-être enfin le moment de bouger pour lui. Vous pensez qu'il devrait changer de club, Lionel Messi, Manu Petit? Je pense qu'on arrive à une fin de cycle, même s'il n'arrête pas de dire ces derniers temps son amour pour le Barça. Et ça, je veux bien le croire. Hein. C'est le Barça qui lui a permis justement de devenir le joueur qu'il a à l'heure actuelle depuis sa pute en France. Néanmoins, ça faisait des années que Messi était critiqué
par les médias justement castillans, c'est-à-dire de Madrid, là où il est pouvoir. Et lorsqu'on connaît la rivalité entre le Barça et Madrid, on pouvait s'imaginer qu'il n'y avait pas vraiment d'objectivité. Là, c'est autre chose, parce que les critiques viennent de la Catalogne elle-même. Donc je pense que ça sera certainement un coup fatal sur le destin de Messi. S'il va rester lié au FC Barcelone, oui. Alors, le Barça qui a gagné, et le Real aussi, après deux défaites consécutives, une victoire 3-0 contre l'Espagnol Barcelone. Ça y est, Manu, la machine est relancée. Hein. Oui, c'était important. Là, on voit en début de deuxième partie de championnat, on voit justement que les deux mastodontes, Real Madrid et le FC Barcelone, commencent justement à être impitoyables. Ils le sont déjà quasiment tous les week-ends, mais là on s'aperçoit que ce sont les deux locomotives encore une fois de la Liga. Et tant bien que mal, que ce soit Séville, Valence ou l'Atlético de Madrid, essayent. Et ils ont tout le mérite justement, hein, chaque week-end, de supporter la dragée haute à chaque fois de ces deux clubs. Mais ça sera très très compliqué. Le titre se disputera cette fois-ci entre le Barça et Real Madrid. Je ne pense pas qu'on aura affaire encore à une équipe comme l'Atlético de Madrid, même si la première partie de saison a été très prometteuse à la fois pour Valence, Séville et l'Atlético. Oui. Alors cette semaine, hein, justement, c'est Gareth Bale qui a été sous les projecteurs. Il a été critiqué par certains de ses coéquipiers et il a très bien répondu. C'est lui qui était à l'origine du premier but et il a marqué le second. Est-ce que vous pensez que les accusations à son égard, Manu Petit, étaient justifiées? Vous parlez justement de cette petite friction qu'il a eu Cristiano Ronaldo, je suppose, oui, non? Oui, par exemple. Justement, donc, vous savez, je vais vous faire un aveu, Valérie, c'est qu'à Barcelone, contrairement à beaucoup de championnats, je vais rester dans le cadre sportif, vous n'êtes jamais posé la question pourquoi sur le banc de touche ou même lorsque les joueurs communiquaient, ils se mettaient toujours la main devant la bouche, parce que la presse utilise à chaque fois des malentendants ou même oui, des... Exactement. Donc, ça s'est produit donc lors de ce match avec Cristiano Ronaldo, même si bon, il s'est pas vraiment caché pour dire ce qu'il pensait de Gareth Bale. Néanmoins, je dirais que il est très apprécié Cristiano Ronaldo de par ses coéquipiers. Et franchement, c'est une mini polémique. Moi, je ne vais pas y donner plus d'importance que ça parce que Gareth Bale a très bien répondu sur ce sublime coup franc. Alors, au-delà de Bale, la presse, Lise Barenboim, s'est aussi intéressée à un Français, Varane, qui va peut-être faire ses valises. En tout cas, Eurosport le sous-entend. Pep Guardiola, l'entraîneur du Bayern de Munich, aurait confié à l'agent sportif Jorge Mendes le soin de préparer la venue de Varane en Bavière. Il y aurait eu une rencontre entre les deux hommes à Munich. Le technicien espagnol a démenti l'information. En effet, c'est difficile d'imaginer que le Real va lâcher son joueur facilement, d'autant qu'il est lié au club jusqu'en 2020. Ça vous semble crédible ce scénario, Manu Petit ? Un peu, mais je dirais qu'il est quand même relativement jeune, Varane. Il fait preuve d'une maturité vraiment déconcertante au plus haut niveau. C'est devenu le patron de la défense en équipe de France. Il n'est pas encore titulé au Real Madrid, mais bon, que ça soit Pepe ou Ramos, à un moment donné, il va falloir qu'il passe le relais. Et donc, je pense qu'il va falloir qu'il attende son mal en patience et je pense que ça va arriver plus tôt que prévu. Maintenant, c'est vrai qu'à son âge, et vu la progression qu'il est en train de faire, j'ai l'impression qu'on est en train de le stagner, de le régresser, donc de lui amener de la frustration. Donc, ça va être contre-productif. Donc, si les choses ne changent pas, s'il n'a pas davantage de temps de jeu d'ici la fin de l'année, il devra se poser les bonnes questions et surtout trouver les bonnes réponses. Mais il y a beaucoup de grands clubs européens aujourd'hui qui seraient très très contents d'avoir Varane dans leur effectif. Ouais. Alors on va regarder tout de suite le classement de cette Liga, si vous le voulez bien. Le Real, toujours en tête avec 42 points, il y a match de moins à jouer. Le Barça n'est qu'à un point d'avance. Maintenant l'Atlético Madrid est à 3 unités. Séville prend la 4e place avec 36 points. Mais avec un match en point en main, en moins, enfin Valence complète le top 5 avec 35 points. Allez, on passe tout de suite au dossier du jour. La FIFA, encore sous les projecteurs, la plus grande instance dirigeante du football, fait la une. À nouveau, après les soupçons de corruption autour des mondiaux qui se dérouleront au Qatar et en Russie, puis la démission de Michael Garcia, celui qui avait rédigé le rapport en charge contre la FIFA, l'organisation dirigée par Sepp Blatter fait encore parler d'elle. Un troisième candidat vient de se glisser dans la course à la présidence, après Blatter et Jérôme Champagne. C'est le prince jordanien Ali bin Al Hussein qui a décidé de se présenter du sang neuf pour une institution qui sent le soufre, l'enquête de notre rédaction.
La FIFA fait encore les choux gras de la presse. Le prince jordanien Ali bin al-Hussein, vice-président de la FIFA, a annoncé son intention de devenir président de l'institution. Une surprise pour le président sortant Sepp Blatter et le français Jérôme Champagne, autre candidat. Le prince a déclaré sur Twitter que la FIFA doit sortir des polémiques internes pour revenir au sport. Une condamnation implicite de Blatter. À 78 ans, le Suisse brigue un cinquième mandat, malgré la corruption dont il est accusé. C'est votre décision, mais je peux vous dire que je suis prêt à vous accompagner dans le futur, pour le jeu, pour le vote, mais c'est à vous, Congrès, de décider si vous voulez continuer avec moi. Les challengers de Blatter optent tous pour une ligne d'éthique et de transparence. Pour Jérôme Champagne, vice-secrétaire général de l'organisation, en lice pour la présidence, il s'agit de retrouver une gouvernance limpide. Il s'agit de faire évoluer ce qui est impératif, de changer pour le futur et de continuer ce qui a été correctement fait par le passé. Attendons donc les programmes des autres candidats supposés et commençons ce débat démocratique et transparent que j'appelle de mes voeux depuis le lancement de ma campagne le 20 janvier 2014. Les réformes attendues visent à laver la FIFA des soupçons de corruption qui pèsent notamment sur le mode d'attribution des mondiaux 2018 et 2022 en Russie et au Qatar. La démission le 17 décembre 2014 de l'auteur d'un rapport d'enquête, Michael Garcia, sur ces deux attributions, a encore jeté le trouble dans le monde du football et relancé le débat autour du tout-puissant Blatter. Beaucoup de membres de l'UEFA n'étaient pas contents de cela. Il y a 4 ans, M. Blatter a dit que ce serait son dernier mandat et d'un coup, il se représente. Et je pense que beaucoup de membres de l'UEFA pensent que la FIFA a une mauvaise réputation et que quelque chose doit être fait. Il ne peut pas faire cela. Le français Michel Platini, 59 ans, président de l'UEFA, était le seul en mesure de menacer Blatter dans cette élection. Mais il a annoncé le 28 août dernier qu'il ne viserait pas la présidence de la FIFA, préférant se représenter pour un troisième mandat à la tête de l'UEFA. Nous souhaitons tous une FIFA, bien sûr, qui fonctionne mieux, une FIFA plus transparente, une FIFA plus solidaire surtout, et une FIFA qui soit davantage respectée par les amoureux du football. Mais Platini connaît bien Al-Hussein. Dans un communiqué, le président de l'UEFA a évoqué l'admiration qu'il a pour le Jordanien. Le prince serait donc peut-être le représentant téléguidé de Platini à la FIFA. Les scandales n'éclaboussent pas le Jordanien, vice-président de la FIFA depuis 2011, qui ne siégeait pas au comité exécutif lors du vote d'attribution des mondiaux en décembre 2010. Ces dernières semaines, Bin al-Hussein a même milité pour la publication intégrale du rapport Garcia. Formé dans les plus grandes écoles du monde, Ali bin al-Hussein, représentant de l'Asie au sein de la FIFA, sera soutenu entre autres par la Confédération asiatique. Un candidat qui prend le rôle du football très au sérieux. Aujourd'hui, en Asie, le football apporte de grands défis, mais aussi des opportunités positives pour la croissance et le développement. L'élection présidentielle à la FIFA se tiendra le 29 mai prochain. Les candidats ont jusqu'au 29 janvier pour se déclarer. Si Blatter semble parti pour la réélection, le prince jordanien se positionne déjà pour celle de 2019. Alors Manu Petit, vous avez souvent critiqué ouvertement la FIFA sur ce plateau. À votre avis, est-ce que le fait de changer de président, c'est la solution ou bien c'est toute l'institution qui a à revoir ? Je pense que le seul moyen de changer l'institution, c'est d'être tout en haut de la sphère pyramidale. Donc évidemment, il faut être le président de la FIFA si on veut changer en profondeur le système de fonctionnement de la FIFA. Moi, je me réjouis justement qu'il y ait un autre concurrent que M. Champagne pour essayer de déloger de son... on dirait un mollusque sur un rocher, en fait, de Sepp Blatter. Donc quand je vois qu'il y a le ballon d'or aujourd'hui, je me demande si on ne devrait pas lui offrir un ballon d'or pour toute l'œuvre qu'il a faite au sein de la FIFA depuis une quinzaine d'années. Mais ça n'est pas le sujet. Mais je me réjouis, moi, que Ali bin al-Hussein, justement, donne sa candidature parce qu'il est... C'est un passionné de foot, vous l'avez dit dans votre reportage, il a un cursus aussi universitaire qui est quand même relativement impressionnant, donc il a tissé aussi également un réseau assez impressionnant. Donc il est très très présent à la fois en politique mais également en sport. Après, des choses dans lesquelles je ne suis pas d'accord avec lui, mais bon, ça n'empêche pas qu'il faut pouvoir se respecter. Je me réjouis parce qu'il est jeune,
Il incarne le renouveau, il incarne l'avenir, le futur, et surtout, il dit ouvertement ce que beaucoup n'osent pas dire au sein de la FIFA, alors qu'il est vice-président de la FIFA et qu'il est également le président de la Fédération de l'Asie de l'Ouest du football. Donc, vous savez, il a quand même créé, début des années 2000, ça réunit une partie des pays du Moyen-Orient, du Golfe Persique. Donc, moi, je me réjouis parce que à un moment donné, il va falloir quand même que M. Blatter s'en aille tout simplement. Quoi. Donc, si ça passe par M. Hussein ou M. Champagne, tant mieux. Parce qu'il faut du renouveau, il faut du changement. Et si on veut que les choses changent, il faut amener d'autres personnes à la tête de cette sphère. Mais vous, Manu Petit, vous pensez qu'il a ses chances? Sincèrement, Lise, dans le reportage, vous avez dit qu'il était soutenu par la Confédération asiatique. Il n'en est pas du tout. C'est pas du tout le cas. Au contraire, je pense même que la Confédération asiatique est l'un des problèmes à l'heure actuelle sur le soutien de Hussein dans sa candidature. L'Europe tout entière du football veut que Sepp Blatter s'en aille. Mais il se heurte justement à d'autres pouvoirs en place, que ce soit au niveau asiatique, africain et autres. Donc je dirais que l'Europe ne peut pas tout décider tout seul, même si elle a plus de sièges au sein du comité exécutif dans le vote. Mais quelque part, je me dis qu'il va falloir passer par un renouveau parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est impossible, à l'heure qu'il est, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans la société, que l'on continue à voir ce genre de dérive. Merci beaucoup Manu Petit, merci à vous Lise Barembo, merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette émission. On se retrouve demain pour encore plus d'actualités sportives. Restez avec nous, surtout ne zappez pas.